Vous ne passerez pas. Retournez dans l'ombre. Go back to the shadow. Et bonjour à tous les amis ou bonsoir, tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Nous sommes toujours en compagnie de le Steph Mew pour l'épisode 5 d'Arboréal et je suis en course poursuite contre des zombies qui veulent ma mort. Voilà, donc nous sommes en hardcore. Coucou. Hop. Donc voilà. Nous avions le Steph K qui était dans l'ancienne vidéo. Donc voilà, c'est un mélange entre le Steph et AFK. Donc voilà. Mais ils vont aller me faire chier ces salauds parce que voilà. Oui, ça s'est pas vu, ça s'est pas remarqué. Alors. Ils sont où? Hop là. Racine d'Arboréal. C'est bien ici, hein. Les racines d'arbre. Putain, c'est bien ici. D'accord. Une couétodine par le enfoiré de merde. Enfoiré. On a failli me tuer. Je vais. Oh, je vais mourir. Oh putain. Mec. J'ai un cœur. J'ai un demi-cœur. Je reste avec les FP et le F3 allumé là pour si je meurs pour les coordonnées. Hein, et, si... et sinon, putain. Oh. Mec, c'est horrible. J'ai failli mourir. Putain. C'est horrible. Bon, petit accéléré, hein. En attendant que ma vie se régénère. Non, j'avais pas une potion de régénération. Que pourrait-on parler pendant ce petit accéléré? Je ne sais pas. Des news? Tiens, je ne sais pas de quelle vidéo je regarde en ce moment. Oh mon dieu, je ne sais. En fait, je sais pas de quoi on pourrait parler. Mais en tout cas, la quête Cubic 2, moi j'ai envie que ce soit une série où on parle de tout et de rien. Où on va parler de tout et de rien, ou tu sais, des trucs genre des trucs de merde, des trucs des actualités, du cinéma, je sais pas, des trucs de merde. Toi tu exiges les dragons et moi j'exige qu'on parle de tout et de rien. Voilà, on va y aller je pense. Et c'est reparti les amis, au revoir. Dragon et licorne. Ah oui, il y a une mode sur les licornes. Au revoir. Dégage. Tout de suite. Pauvre zombie. Je l'ai tué. J'aurais dû faire game rule keep inventory true. Moi je vous le dis, je vais mourir. Oh, si je me fais exploser là, je suis mort. Les sorcières drop des ballons, des bâtons d'équilibre. Non, je pense pas. C'était une question rhétorique. J'en pose jamais d'habitude. Ah, je pense que c'est là. Hop. Ah oui.
Est-ce là? C'est là? Non, je pense que c'est pas là. Ah, d'accord. Ah, putain, c'est là. Oui, j'avais déjà vu cet endroit. Oui, Bob le gardien. La prise marine et tout. Ok. Oh, de la bouffe. Oh, de la bouffe. Ah, vous pouvez pas m'atteindre là, hein. Vous avez les boules. Oh putain, de la bouffe. Oh oui, c'est trop bon. Mieux que de bouffer cette viande de zombie périmée là. C'est quoi ça? C'est Bob le gardien, il est mort? Ah non, pas lui. Au revoir. Pourquoi j'ai fait ça moi? Il y a un creeper. Ah, très bien. Non, c'est une mauvaise idée de sortir par là. Hop, on va casser ça. On va sortir par là plutôt. On va se casser vite fait de là. Parce qu'il y a beaucoup de mobs. Enfin, beaucoup de mobs. Ah, mine. J'ai publié mon bouquet Minecamp. Pardon. Blague de très mauvais goût. Je sais pas si tu la permettais. Si tu voudras qu'elle soit supprimée au montage. Quoi qu'il en soit, je ne la supprimerai pas. Enfin bref. Oui. Hop. On se gratte un petit peu le nez parce qu'il faut se gratter le nez, à mon avis. Et on. Creeper. Creeper à bâbord. Creeper. 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 Creeper de merde. Et je trouve pas les racines là. Je trouve pas ce truc. Peux-tu m'éclairer, petit le Steph? S'il te plaît. S'il te plaît. Éclaire-moi. Éclaire-moi. Bon, au revoir. Oui, c'est quoi? Continue. Enfoiré. Je sentais le troll en plus. Je le sentais. J'ai peur de chantonner parce qu'en fait j'ai peur que le Steph m'enregistre et qu'ensuite il me réutilise pour il m'exploite pour la musique d'intro de la quête Quebec 2. J'ai peur de chantonner du coup. Maintenant j'ai peur de lui. Il me martyrise depuis la quête Quebec, j'ai peur. Vous voyez? Ah, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. C'est trop beau pour être vrai. Moi, je trouve qu'on y voit bien avec la torche. Oula, je sais pas si vous avez entendu, mais c'est un bruit de téléphone que mon clavier y fait. Voilà. Putain, mais c'est où ça? Ah oui, ça c'est pour remonter évidemment. T'es sûr qu'il est là le truc de l'équilibre? C'est le bâton que j'ai trouvé ici ou pas? OMG! Mais c'est quoi ce délire? Ah, Bob. Bob il est mort. Ok, moi je m'en fous. Je fais des accélérés si je ne trouve pas. Si je mets trop longtemps à trouver, promets-moi de m'aider. S'il te plaît, promets-moi. Ah, ça lag un petit peu trop, je trouve. C'est-à-dire, c'est pas fluide pour moi. Enfin, finalement, j'ai peut-être évité les shaders pour cette série. Ah, j'ai peur des zombies, là. Je suis désolé, c'est moche. Un court instant. Un court instant, voilà le faithful. Voilà le faithful, c'est moins moche. Hop. Du coup. Bonjour les amis. Fiesta party. C'est quoi ce villageois? Enfoiré. Il est là, j'ai trouvé. Ah bah, on a mis au secret. Bob le gros. Ah mais je me casse moi, j'aime pas s'il est gros.
Non, je m'en fous, même si c'est le gardien, je m'en fous, je me cache. Non. Allez, Bob. C'est pas grave si t'es gros. Tu vends quoi? Ok, d'accord, t'as rien pour moi. Salut, ici Bob, le gardien de l'entrée vers les racines. On m'appelle Bob le gros parce que c'est tout un fin. Papi, tu te je suis sa poste de mon carte. C'est fin l'entrée des racines. Mais une horde de zombies est arrivée depuis chez mes caches chez moi. Si tu veux aller aux racines, tu vas avoir besoin de la clé pour ouvrir la porte. Je ne te la donnerai que si tu me ramènes la nourriture préférée. Alors à tout à l'heure. D'accord. Alors, Flarney, moi je t'aurais conseillé de faire un tel rôle pour Bob, pour parler, pour qu'il parle. Ça aurait été plus sympa, je trouve. Enfin voilà, après chacun ses habitudes, enfin chacun ses trucs. Mais du coup, il faut qu'on lui ramène sa bouffe. Hein? Voilà. Et c'est quoi sa bouffe préférée à ce gros lard là? Hop. Du poisson, c'est ça? C'est du poisson sa bouffe ou pas? Attends, c'était pas les soupes que j'ai bouffées là. C'est de l'aise. Non mais rends-moi ma soupe par contre. Non mais mec, rends-moi ma soupe. C'est pas drôle. Je veux ma soupe. Voilà, merci. Désolé d'avoir cassé le truc. Il m'a rien fait cette fois-ci le poulet. Non mais non, non mais toi tu me tueras pas. Non mais cherche pas, tu me tueras pas. Non mais cherche pas. Cherche pas, tu me mourras pas. Enfoiré. Je crois m'avoir avec des flèches perdues. La flèche perdue, ça va être le titre de l'épisode. Putain mais je vais finir par casser mon armure. Parce que c'est petit boulet là. Ils ont tous des arcs enchantés ou quoi? Tu peux me dire ce qu'il mange Bob ou pas? Juste pour m'avancer, il mange quoi Bob? Qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux m'atteindre? Si je te donne 50 euros. Pour 50 euros, dis-le moi. Mais j'en sais rien moi, il mange du poisson. Il mange du poisson, c'est ça? Dis-moi si je chauffe, si je refroidis. Est-ce qu'il mange du poisson? Bob. Merci. Oh putain. Dans son poste. Je le savais. Oh putain. Non! Non! OMG! Non! Ils vont tuer Bob. Il est immortel. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour Bob. Non, il va me tuer moi. Putain, mec, j'ai eu la peur de ma vie. Oh putain, j'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Tomber dans le vide, le vide, le vide. Mec. Ok, mange pas ça non plus. Tu manges quoi mon vieux? Il mange de la rotten flèche à tous les coups, c'est ça. Et je vais aller à son poste de garde. Bon, en faisant attention parce que si je me fais tuer,
Bon, déjà, hop. Coordonnées, on sait jamais. Hop. J'ai tellement eu peur. Hop. Ah non. Du coup. Où est sa base? En tout cas, petite map bien sympathique que je vous conseille fortement de faire. Voilà, avec le petit accent. Donc, tout à l'heure aussi, pour le. Quand j'ai lu le livre, j'ai pris un accent allemand, je crois. Du Reich, Troisième Reich. Il me semble que c'est cet accent que j'ai pris. Voilà, donc après, c'est pas forcément important l'accent que j'ai pris. Mais ce qui est important, c'est de nourrir Bob, sinon il va mourir. Et moi, j'ai pas envie qu'il meure. Et là, j'étais sûr qu'il y avait quelque chose parce que c'était trop louche une entrée comme ça. Et j'ai voulu casser. D'accord, pas de la rotten flèche, c'est parfait. Et Bob, il est complètement débile de manger ça parce que c'est de la viande périmée, quoi. Oh, mais en fait, je vais mourir, moi. Je vais mourir. Hop, on va se manger un petit peu de melon parce que sinon je vais mourir. C'est bon, melon, ça. Ça revigore. Ça fait pisser sur toi. La pastèque. Écoute. Oh putain! Je me casse. Ah, il brûle. Ça te dérange pas que je pète les blocs pour que je gêne? Il a une épée et la main à lui. À 3, je cours vers la liberté. Je vole. I believe I can fly. C'est quoi ça? C'est où ça? Je sais absolument pas où je suis. Ok, il y a un coffre. Il est piégé. Putain, j'espère que c'est pas piégé. Ah merde! Putain. En plus, je retrouve même plus la sortie, fais chier. Merde! C'était où? Tu peux me dire où c'était ou pas? Je retrouve plus. Oh putain, tu m'as fait flipper! Oh mec! Désolé. Merci. Oh putain. Et du coup, ce gros peur, il mange de la viande de zombie, si j'ai bien compris. La viande qui pue sa race. Donc là il y a une Enderman. Un Enderman. Un Endermerde. Non. Oubliez ce que je viens de dire. Ça vaut mieux pour vous et vos oreilles. Hop. Donc je ne retrouve plus sa putain de maison. Où est sa maison? Alors, je promets que si je la retrouve, je la fais péter sa maison. Sauf que je sais pas comment je vais faire vu que j'ai pas de TNT. Eh mais Bob, t'inquiète pas, enfin, je vais pas la faire péter ta maison, je disais ça pour rire. T'es sérieux mec, t'es dégueulasse. T'es dégueulasse. T'as encore faim? Ah t'as plus faim. Mais tu vas mourir mec. Tu vas mourir. Non! Enfoiré! La clé des racines. Non. 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 Si j'ai bien compris, hein. Il y a... Le mec que j'ai vu sur ton serveur privé
avec le bloc de lapis. Il est mort là. Il a bougé de la langue de zombie et il est mort. Oh putain, fait chier. Quel con aussi, il avait qu'à pas bouffer de la viande périmée là. Mais moi je dis que c'est dégueulasse cette viande. Elle ne nourrit pas assez, elle me fait même pas régène. Bon, je fais que de me plaindre, je sais, mais la plainte c'est bon pour la santé, voilà. Donc, si vous voyez pas ce que je fais là, j'essaie de me protéger pour régénérer. Donc voilà. Et là j'essaie de m'en aller pour poser la clé sur l'endroit que j'ai cassé, parce que j'essaye de faire les choses minimum clean quand même. La clé déracinée. jeu de philo. Ok, j'arrête. Officiel, je n'ai plus de bouffe. J'ai du poulet cru, mais j'ai pas envie d'avoir la salmonulose, donc enfin, j'ai pas envie d'être empoisonné quoi, donc voilà. Ok, j'étais empoisonné. GG. Combien d'espèces? 80 toujours. Hein? Encore et toujours. Qui sera ma lumière? Je viens de l'inventer là. Mais ils sont chiants ces zombies avec des objets à la main, parce que ça compte dans le mob cap du serve et après les mobs ils débloquent plus. Voilà. Par contre, je sais pas où poser le bloc. Donc je suis désolé, je vais le poser ici. Hein? Et on va dire que je l'ai posé. Et de toute façon, ça n'a pas d'influence. Ouais. J'ai un arc pour tuer Raoul. J'ai l'impression que je vais tomber dans le vide. Et non, je ne rechanterai pas cette chanson, ça vous ferait bien trop plaisir, messieurs. Hop, on pose un petit bloc. Là, je flippe à mort. Parce que je flippe à mort, tout simplement. Et ça fait quoi si je tombe dans le vide avec tout ce que j'ai et tous les trucs? Je refais tout, c'est ça? Ah non, je me regiffe tout. Ah, merci pour le checkpoint, c'est gentil. C'est quoi ça en fait? Non mais t'as cru que j'allais faire le jump? Moi qui perds mon inventaire, t'as cru que j'allais faire le jump? Mais non, pas du tout. C'est une très mauvaise idée de m'avoir jugé, mon ami. Tu ne me connais pas, moi. Tu ne me connais pas, je suis un fou. Non, tu ne me connais pas du tout. Hop, mangeons du poulet, c'est bon pour la santé. C'est par là-bas qu'il faut continuer. Oh putain, j'ai... Non, ne meurs pas. J'espère qu'il y a des pépas de mobs là-bas, parce que sinon je pique une crise, tu vois. Oh putain. Putain. C'est épique. Une putain de point de vue là. Oh, s'il y a un squelette, je te tue. Cette map elle est juste trop bien. J'ai failli tomber. Ok. On rentre en plus zombie. Et on prend le diamant. Parce qu'on était tués. D'accord. Caveman Diamond. Yeah. Point. Le bâton de l'équilibre. I believe. Et là, c'est quoi ce jump? Hein? C'est pour revenir ou pas? Ou ça sert à rien? Ok. I don't have any block, donc I devoir faire comme je peux avec les blocs. Have a bloc de quartz, donc vais-je poser bloc quartz sur machin
et prendre de blocs cobble pour revenir à la maison parce que moi pas envie de tomber dans le vide with bâton équilibre. Voilà, très français, je sais pas, français couramment. Voilà, c'était moi. Elle parle très français. Adesso parlo italiano nella video. Ok. Ok, non. Pas du tout. C'est drôle ça. J'ai comme l'impression que tu cherches à me piéger, le Steph. J'ai comme l'impression que t'as très envie d'ouvrir une des trappes d'or sur moi. T'as très envie. Hein. T'as envie de moi. Je sais que t'as envie de moi. Oui, il peut pas. Tu peux pas parce que. Parce que voilà. C'est contraire aux règles des êtres de lumière. Oh putain, j'ai. Mon cœur il fait boum boum là, il fait boum boum. Et je vais prendre un petit peu plus de cobble. OMG. Hop. Voilà. Ah, la sortie. Que j'aime la sortie. Bien évidemment, il faut remonter avec des blocs. Ce que je n'ai pas. Foiré, va. Oui, oui, n'inquiète pas, je compte remonter avec l'eau. Ce que j'ai prévu de faire. Putain, j'ai failli tomber inutilement. Tais-toi, sinon je te banne de mon serveur. Non, je n'oserais pas. J'ai plus machin, j'ai plus de bouffe. Bon, je suis désolé. En temps normal, j'ai pas l'habitude de manger KFC parce que ça me bousille les intestins. D'ailleurs, je n'ai jamais mangé KFC. Mais là, il me faut vraiment de la bouffe. Et toi, tu fermes ta gueule, d'accord. Merci. Je suis beaucoup trop vulgaire. Dégage! Tout de suite! Ce serait pas mal de se transformer en zombie. Ils font peur, ces zombies-là. Il faudrait faire monter comme ça du coup. Hop. Sans squelette s'il vous plaît, ça me serait vraiment. D'accord, j'ai le bâton d'équilibre du coup. Donc j'ai triché. Et j'ai tous les ingrédients là pour faire naître Raoul, c'est ça? C'est ça? Ou pas? Je puis faire renaître Raoul ou pas? Ah oui, c'est pour créer la potion de téléportation, ouais, c'est vrai. J'avais oublié celle-là. Voilà. C'est par là qu'on est entré dans la ville d'Arboréal. Et qu'on va en sortir. Pour retourner dans le monde naturel de Minecraft. Hop. Casse les blocs. Je vais décéder comme un poulet. Échec caché. Je pense que je vais me suicider après. On a un diamant de plus. Putain, mais j'ai pas envie de rester là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Bon les amis, je vais vous laisser là, je vais regarder à quel temps. Ok, bah ok, on a 30 minutes, c'est parfait pour arrêter la vidéo. Je vais vous laisser là pour cet épisode 5 d'Arboréal. J'espère qu'il vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve pour l'épisode 6 tout de suite. Et puis à bientôt. Bye bye.